Bonjour, bonjour. Bonjour, Nadège. Bonjour, Prudence. Bonjour, la reine Nathalie. Bonjour, la reine Marie-Hortense. Bon, je crois que je vous avais dit que on a eu un deuil dans la famille. Donc, tout ce week-end, on a dû être vraiment concentré sur les obsèques. Ça se passe bien. Et ma pierre. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez. Et quand vous écoutez, vous croyez. Mais après, ça part. Donc, je fais cette vidéo pour vous remettre les pendules à l'heure. Je veux remettre les choses à zéro. Vous rappeler qui vous êtes. Merci, Sorel. Merci. L'enterrement s'est bien passé. Vous savez, à tout moment de votre vie, vous allez penser soit faiblesse, soit force, soit économie, soit gagner plus, soit laisser tomber fermé, soit ouvrir l'autre. Toute votre vie sera dans votre tête. Merci Prudence. Vous savez, quand on enterrait, ça m'a... Le fait de voir que cet homme, le nombre de personnes qui venaient témoigner de sa bonté, le nombre de personnes qui venaient témoigner des dons qu'il faisait aux gens, il inspirait les gens, ça m'a fait comprendre que je dois redoubler d'efforts pour ma propre vie. Quand les gens commencent déjà à te féliciter, que « well done », tu as bien fait. C'est là que les problèmes commencent. Parce que ça va faire que tu restes confortable. Tu vas te dire, mais voilà. Voilà mon oncle, ma tante. J'ai déjà plus qu'eux. Pourquoi il va encore les chercher? Je dépasse déjà ma tante si. Je dépasse mon oncle. Pourquoi il va encore les chercher? Donc je vais vous donner quelques... outils qui vont vous permettre de vous relancer. La première chose que vous devez comprendre, c'est que si vous avez les pensées négatives qui viennent sur vous, c'est normal. Vous suivez, vous n'êtes pas le seul à être attaqué. Mais celui qui fait beaucoup d'argent par jour, c'est quelqu'un qui a compris que j'aurai les mauvaises pensées. Malgré ces pensées, je dois surmonter les pensées et planifier ce que je veux faire. Faire ce que j'ai à faire. Ce sera votre challenge. Donc 90% de la bataille, c'est dans votre tête. C'est là. Je vais donc vous donner les choses qui influencent vos pensées. Bonjour, bonjour. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. C'est notre service du dimanche. Cette pierre n'est pas sculptée. Elle est vraiment
C'est une fille qui m'a escroqué, qui m'a donné ça. Elle m'a donné ça après m'escroquer. Soyez très prudents des gens qui vous adorent un jour. Parce qu'ils vont t'adorer aujourd'hui, demain, ce sont les gens-là qui seront derrière toi en train de te faire du mal. Oh, tu es tellement gentil. Oh, ma reine. Ma reine. Jésus lui-même connaissait le cœur des gens qui l'entouraient. Il connaît vos cœurs. Donc, je vais d'abord vous donner des choses qui vont vous faire descendre. La première chose qui vous descend, c'est votre environnement. Vous êtes entouré, parfois c'est ton meilleur ami de l'école. Hein. Il y a de cela 20 ans, vous étiez meilleur ami. Maintenant, toi, tu as grandi, tu as changé. Tes désirs sont différents. Tu veux toucher le monde. Toi, je sais pas, un petit, tu peux investir 2 millions de francs CFA pour te faire coacher. Tu peux acheter quand tu as l'argent, tu achètes des livres de développement personnel. Tu passes des heures par jour à écouter des vidéos de motivation, des vidéos comme celle-ci. L'autre personne est en train de regarder le Congo, ça. Voit comment on parle mal des gens. Ouais, voilà, oui, c'est lui. Ouais. Vous n'avez, vous n'êtes, vous vous connaissiez à une époque. Tu suffisais sur la personne-là. À une époque, même certains de vos gars sont déjà downgrade, pardon. Toi, la femme, tu as déjà upgrade. Tu ne dois plus être avec lui. Merci pour le partage, Niembe, Malène. Je t'envoie de l'amour. Merci pour les likes. Donc, certains de vos gars, quand tu as rencontré le gars il y a déjà 6 mois, tu étais dans la galère. Tu dis, ma chérie, tu étais dans la galère. Tu venais de chuter, tu as fait faillite. C'est valable aussi pour les hommes. Hein. Tu avais chuté, tu étais au point bas. Elle t'a pris dans sa chambre qu'elle payait à 15 000. De là maintenant, tu as commencé à écouter les vidéos. Tu t'es remotivé. Tu t'es remotivé. Tu commences à monter maintenant. Tu lui dis, remonte aussi, non? Sinon, tu sais, ma petite chambre de 10 000, mon loyer me dépasse. En un mois, tu quittes de 10 000 francs, tu te retrouves à 70 000. Elle voit. Tu le montes, tu dis, viens m'aider, travaillons ensemble. Bonjour. Tu travailles ensemble. Elle dit, non, ouais, je vais faire comment pour payer mes 15 000. Ouais, oh. Tu quittes de 70 000, le mois qui suit, tu es dans 250 000. Elle est toujours là, fais attention, hein. Hey, il faut faire attention. Toujours dans sa même mentalité de pauvreté. En 4 mois, tu quittes de 10 000. Tu te retrouves à 1 million. Tu lui montres, tu lui dis, viens au travail. Donc, attendez un peu. Tu penses que tu vas rester dans l'environnement là? Tu penses que tu vas rester dans l'environnement là? Si tu restes, tu es bête. Et si la personne refuse de le monter avec toi, aide la personne comme tu peux, tu laisses la personne là-bas, tu avances. C'est ce qui vous tue souvent. Vous êtes avec les gens que ces gens ont juré pauvreté. Ils se sont mariés, ils ont fait l'alliance avec la pauvreté. Ils n'aiment pas le travail. Écoutez, si quelqu'un est pauvre, il est paresseux. Voilà, on est dimanche, tu es debout depuis 6 heures. Tu as déjà fait ce que tu vas aller vendre. Ou bien tu as déjà fini jusqu'à ce que tu es prête pour aller faire ton sport. Après le sport, tu vas aller bosser. La personne va dormir jusqu'à 13 heures. Donc dis-moi, s'il te plaît, tu veux rester à côté du genre de personne-là, pourquoi? Prudence, bonjour, merci pour le partage. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous montrer des stratégies qui vont permettre de sortir de la pauvreté. J'ai dit la première chose, c'est votre environnement. Vous entourez des gens. Parfois, tu vis chez ta soeur. Et vous savez que ce n'est pas toutes les soeurs qui veulent que vous avancez. Parce que tu restes chez elle, tu gardes ses enfants. Tu laves le sol pour elle le matin. Tout ça parce que tu peux aller payer le loyer de 25 000 quelque part. Hein? Non, tu sais, il faut que je reste ma soeur.
quand ta soeur voit, tu sors un peu, tu as un petit boulot. 100 000 le mois. Dès que tu... Oui, paye les factures. Je t'héberge chez moi depuis un an. Hein? Ou, hein? Tu sais quoi? Aide ta soeur à distance. Aide ta soeur à distance. Votre environnement. Il y en a parmi vous. Ta soeur a conçu depuis, supposons, depuis 5 ans. Petite soeur même, mais parfois c'est ta petite soeur. La personne t'a hébergé depuis 6 mois. Tu n'as rien. Tu es en train de m'écouter. Dans 6 mois, tu auras déjà conçu deux fois plus que ta soeur. Mais tu ne peux pas rester dans l'environnement de cette personne. Et c'est bien quand tu fais face à la réalité. C'est bien quand tu comprends que là où je suis, j'écoute peut-être la reine Jocelyne. Je suis motivé. Je prends peut-être une consultation. J'achète des produits. Je me lave pas. Le soir, quand ma soeur rentre, ouais. Regarde-toi. Tu fais quoi à la maison depuis? Ton marketing que tu fais là. Tu vends même quoi? Hein? Pardon. Va laver les couches de l'enfant. Va mettre la folie. Tout ça parce que on te donne la maison là-bas. Parce qu'on te donne la maison là-bas. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Il y en a parmi vous, on vous manque de respect. Donc, tu restes comme ça, là, tu confirmes le code. Même si tu es marié, tu vis avec ta femme, tu vis avec ton mari. Cherche ton propre agent. C'est bien quand tu es quelque part, tu peux aussi. On dit peut-être qu'il faut faire les courses de la semaine. Tu sors l'argent, tu donnes, que voilà ma contribution. Quand tu vas rentrer, tu vas ouvrir la mamie, on ne va pas te regarder mal. Avant de te nourrir, de dire que voilà, tu as la mamie là-bas. Bonjour, bonjour. Et vous devez comprendre que dès que vous avez dealé avec votre environnement, et ça se fait par la foi, on n'est jamais prêt pour quitter une maison. On n'est jamais. Tu te brusques toujours. Et moi, je fais toujours, on appelle ça reverse psychology. Je me dis toujours, si les gens se me mettent à la porte aujourd'hui, ils peuvent trouver la voie. Bêta, je me mets à la porte moi-même aujourd'hui. Ils me mettent à la porte. Bon, je pars. Si un jour l'homme s'y vient, il me dit que je sors de sa maison. Il est parti, non? N'est-ce pas? Voilà, parlons maintenant. Une fois que tu as dealé avec ton environnement, la deuxième chose, tu dois mettre le positif dans ton cœur. Et tu peux avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui t'inspire. C'est quelqu'un qui te montre le chemin. C'est quelqu'un qui, quand tu regardes la personne, ou tu penses à la personne, ça t'encourage. Quand tu en as, dès que tu veux te fatiguer, tu penses que non. Tu penses à la reine Jocelyne. Non, si elle était dans ma situation, elle n'abandonnerait pas. Tu pousses encore. Bonjour, la reine, c'est quoi, M. Cyril? Bonjour, la reine Loveline. Bonjour, la reine Laurette. Dès que tu penses comme ça, tu dis non, je pousse encore. Allez, allez, non, 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 allez-y. Le mindset. S'il le faut, écoute les vidéos. Lis les livres. Va dans les formations. Il y a les formations que je mets en ligne tout le temps. La mentalité, ça s'achète. Y en a parmi vous. On veut fermer votre bouche. On ne veut pas que vous parliez. Dans votre famille, on vous a déjà immobilisé, on vous a déjà insulté. On vous a tout dit. Bonjour la reine Nathalie. Bonjour la reine Bibiane. Bonjour la reine Nelly. Bonjour Yanis.
Roi ou reine Yanis? La reine Élie, bonjour. La reine Élise était déjà dit bonjour, non? Quand tu vas dealer avec ton environnement et que tu vas commencer à mettre les bonnes pensées dans ta tête, même si c'est à 3 heures, même mes vidéos, tu écoutes. 3 heures. Écoute tellement que tu es saturé des bonnes idées. Je suis à Makepe derrière Paja Center. Derrière Paja Center, au lycée de Makepe, il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. Donc, tu arrives au lycée de Makepe, tu prends la route en pavé. Premier à gauche, premier à droite. Après, tu prends gauche. Dès que tu prends cette gauche-là, tu vas tout droit jusqu'au carrefour. Tu vois ma photo sur le portail. Tu peux faire les bains étant enceinte. L'iris, j'explique ici aux gens comment faire. Qu'elle voit quelqu'un me dit que ouais, fais quelque chose. Ton pouvoir n'est pas dans ma main. C'est ça que vous aimez ça. Ton pouvoir n'est pas dans ma main. On a des lavages qu'on va faire ici aujourd'hui à Makepe. Certaines maisons viendront se faire laver aujourd'hui. Et on aura aussi demain. On prépare le premier à lavage général. Donc le premier, vous pouvez venir à Makepe. À Libreville, vous pouvez venir à Saint-Germain. Ceux qui sont en train de faire leur demande de visa là. Ne me contactez pas quand vous avez à déposer vos demandes de visa jusqu'à on est en train de vouloir vous refuser. Intégrer le travail spirituel comme le lavage, le déblocage, lancer la poule. Intégrer tout ça dans vos choses que vous faites quotidiennement. Tu es en train de vouloir demander le visa de tes enfants. Tu ne les as pas lavés. C'est quand on bloque. Première demande. Deuxième demande. Oh, reine, s'il te plaît. Ouais, je veux faire le visa de mes enfants. On a refusé jusqu'à. Avant de partir d'abord pour commencer là, tu n'as pas fait pourquoi? Vous faites toujours comme les insensés. On a tout vous enseigner. Tu as dit avec ton environnement. Tu as commencé à écouter ce qui est positif. Numéro 3, tu dois chercher plusieurs choses à vendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Donnez-moi les étapes que j'ai citées. Numéro 1, 2, 3. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vous donne les étapes pour sortir de la pauvreté. J'ai dit numéro 1, tu dis laver ton environnement. Coûte que coûte. Jombe n'est pas loin de Douala. Ouais, Seigneur. J'ai des gens qui quittent de Baganté pour venir me voir. J'ai un Jombe. Reste un Jombe alors. Merci pour le partage. Merci aussi pour les cœurs. Mettez les cœurs sur ma vidéo, comme ça va remonter. Merci pour les cœurs. Si quelqu'un a écouté tout ce que j'ai dit depuis, mettez vos étapes, citez-moi les étapes ici. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas attentionné. Vous ne prêtez pas attention. L'argent, c'est dans les détails. L'argent, c'est dans. Tu écoutes les instructions. Tu notes. Tu pas fais.
Je sais qu'il y a 100 personnes qui m'écoutent. Et parmi vous, il y a seulement peut-être 3 qui vont faire ce qu'elle dit. Tu dois dealer avec ton environnement. Tu dois écouter les enseignements parce que ça va changer. Dès que tu vas quitter ton environnement, tu vas commencer à avoir les mauvaises pensées. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Je sais pas pourquoi. On n'est rien sans la famille. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils pensaient même qu'ils pouvaient faire? Voilà. Regarde. Voilà, tu es une seule. Comment tu vas faire pour construire ton entreprise seule? Le doute va commencer. Quand tu vas écouter les enseignements, ça va te motiver. Tu vas te réveiller le matin. Même si tu es seul, même si tu as dormi sur le canapé, même si tu as dormi, je ne sais pas. Tu as le moral. Tu cherches des choses à vendre. J'ai une réunion aujourd'hui avec des filles qui veulent devenir vendeuses pour moi. Votre problème, c'est que vous êtes très facilement découragé ou décourageable. J'ai dit, si tu n'as pas, tu n'as rien que tu fais, viens, je vais te donner un produit, je vais te montrer comment on vend, tu vas pas t'y vendre. Tu vas pas t'y vendre. Tu dois trouver pas un produit, pas deux produits, pas trois produits, pas quatre produits, même 10. C'est pour ça que quand ils voient les gens peut-être sur leur profil, ils mettent leur statut. Ils mettent des photos de ce qu'ils vendent. Je dis, c'est bien. Maintenant, quand tu as mis les photos, tu ne les laisses pas comme ça. Tu dois pomper les oreilles des gens avec tes produits. Les gens doivent même être fatigués de tes produits. C'est comment? Tous les jours. Oui, tonton, oui. Oui, tout est disponible. Tu prends quand, tonton? Oui, tata. Oui. C'est comment? Je viens te livrer quand? Tata, regarde. Tes enfants sont en train de partir en Europe. Est-ce que tu as fait le lavage? Tata, tu as fait le lavage de tes enfants. Non, tata, regarde. Prends voilà le sel, tata. Lave tes enfants, tu vas voir. Il faut payer pour le lavage chez la reine Jocelyne. Bonjour, mon fils univers. Et tu dois avoir des objectifs. Donc, la quatrième étape, j'aurais dit, mets-toi dans des réunions. Prends les engagements financiers. Loue un local. Paye le loyer quelque part. Fais la réunion. Accouche-moi mes enfants. Pour t'occuper des enfants, tu as besoin d'argent. Prends les engagements. Si tu restes chaque mois, tu n'as aucune pression. Bon, si moi j'ai mes 2000 pour manger aujourd'hui, ça va, hein. Mais le loyer, tu ne payes pas. Tu n'as pas ta mère ou ton père chaque mois. Il faut que tu envoies l'argent. Tu vas payer les médicaments de papa. Tu dois t'occuper de tes deux femmes ou tes trois femmes. Je n'encourage pas la polygamie. Au contraire, beaucoup d'entre vous fuient les engagements. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit que même envoyer 10 000 à sa mère par mois, il ne fait pas. Mauvais signe. Mauvais signe. Papa, donc même 10 000 par mois, tu t'es pas engagé que tu as donné à ta mère. Gars, il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc, vous comprenez que toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent que j'ai côtoyé et ceux qui sont mes mentors, ce sont les gens que, voilà, dimanche, ils sont en train de bosser. Tu vas te dire, j'ai 5 réunions que je dois faire aujourd'hui. J'ai mes fournisseurs que je dois payer demain. J'ai des choses. Donc, quand tu regardes ces engagements journaliers, chaque jour, au moins, c'est 15 millions qu'il doit gérer ou donner, payer. Tu es en train de dire que yes. Certaines personnes font 2 ans sans voir 15 millions. 3 ans même.
Bon. Si ce que j'ai dit sentait la tête de quelqu'un, c'est bien. Si quelqu'un a retenu ce que j'ai dit, c'est bien. Cherche les produits que tu vas vendre. Casse les oreilles des gens avec. Prends les engagements. Et quand tu prends les engagements, ne dors pas, ne pas dire que je vais prendre à telle personne pour aller donner à telle personne. Je vais aller prêter dans la réunion pour aller payer mon bailleur. Chaque jour que je te lève, j'ai besoin de telle somme aujourd'hui. Si chaque mois tu veux te faire 20 millions, ça veut dire que par jour tu dois faire au moins 750 000. Donc même je te lève aujourd'hui le dimanche, au montant de ça, il doit avoir 750 000. Je pose maintenant la question à toi, qu'est-ce que je peux faire qui va me donner 750 000? C'est comme ça que tu bouges, tu bouges, tu fais, tu bouges. Voilà. Bon, merci pour les cœurs. Je vais vous laisser, il faut que j'y aille là. On a formation, ceux qui veulent vendre des produits. Ville de Douala, ville de Yaoundé. Il y a aussi des représentantes. On aura donc une réunion à 11 h. Formation sur la vente. Bonjour, lumière du monde. Vous avez au moins dans votre environnement 10 personnes qui peuvent acheter mes produits. Parce que vous avez testé. Et vous serez le premier témoin. Parce que vous avez testé, vous avez vu comment ça marche. Vous avez vu comment ça marche. Voilà les enfants de votre frère. Voilà votre frère lui-même qui souffre. Voilà. Ok. Donc, j'espère que vous allez appliquer ce que je vous ai partagé avec vous. Vous passez une superbe journée. Ok?